nous gagnons et président et Luc Nadezir Luc Nadezir et t'es pour l'intervenu de matin en Bakaban Luc Nadezir où sorti en Bakaban non. Eh bien, bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes. Je suis l'équipe de côté de l'Assemblée et Lasker, Baron Larose, toute l'équipe technique de Radio Éclair, Barbas, Orlando, Henri. Eh bien, bonsoir à toutes les filles de l'auditeur. Eh bien, on va prendre un bon petit temps pour me intervenir. Ou d'avoir un ramassage? Non, il y a des données que nous avons fait compiler. Ok. Ok. Yeah. Donc, sur la situation de l'Haïti. Avant que je me intervenir, je dis à l'émission en tête et bras. En tout cas, il faut que je dise tout le monde, mais c'est que tout le monde vraiment, tandis que je m'en dis, donc je dis à l'émission en tête et bras. Et la situation là, nous avons toujours dit à l'émission en tête et bras, nous avons toujours dit que les jours seront très difficiles pour le gérer. C'est une table là, mon pote, qu'on croit vraiment quand on a parlé, et nous avons annoncé que notre pays loc, la BIA, et nous avons dit que les pays de l'autre pays, la pays raide, qui est le premier lot que nous déconnons parce qu'on a payé. Parce que je vous dis à la, vous avez dit la VRP, vous avez déjà avec Elasker, pas grand-chose de leader politique dans ça là. Claire. Pas grand-chose de secteur privé dans ça là. Et le gouvernement minimise. Non, écoutez, ça c'est ça, ils ont fait le gouvernement. C'est la population qui prend une décision. Je vous dis à qui dit que ça qui est là, il n'est pas avril. La situation là dans la il n'est pas bon pour lui et que lui veut sortir là-dedans. Correct. Ça vous dit bien. Ça vous dit bien, c'est que je veux dire, pas bon vraiment un leader. Parce que vous savez que les peuples ont fait une boumette. Les peuples ont campé sous position. Mais pas bon monde qui représente la population, qui peut aller dans une grande réunion pour aller parler avec l'international. Correct. Pour aller parler avec, pour aller chiter avec le gouvernement de notre pays, pour connaître les décisions qu'on a prises et où qu'on a bavé. Sa situation est aujourd'hui, mais sa situation est aujourd'hui. Et je pense que si vous sacrifiez ce que le peuple haïtien fait là, c'est continuer à faire. Si vous sacrifiez ce qu'on fait là, c'est continuer à faire. Parce que semaine ça là, en principe, et vous connaissez que les Nations Unies, normalement, il y a un conseil de sécurité de Capri, il y a tout le pays, l'a commencé aujourd'hui. Claire. Et donc, la formation que nous gagnons, lui-même l'a préparé là pour aller dans son vin pour la sécurité pour la justice. Ouais. Le plan qui est là, jusqu'à peu là, Dominique Canadien, et il y a de très bons rapports entre le président Luis Abinader et le premier ministre Ariel Henry. Il y a de très bons rapports. Au contraire, Ariel Henry comptait en plus sur soutenir Luis Abinader dans la réunion par gain la Nations Unies pour demander une intervention militaire. Sans dire là, Louko, où est-ce que ça me parle matin? Moi, oui. Loin. Ah oui. Ah oui. Et dans pas dire là, il dit que dans cette Nations Unies là, à tous les par gain là, donc, au Parlement Dominicain, il y a une proposition pour Haïti pour une intervention militaire. Je ne sais pas parler maintenant à ce débat, et que nous-mêmes capables d'éviter. Et bon situation qu'il a, il y a des gens comme si KPCE dit que pas de mécanisme pour remplacer Ariel Henry. Même parce que c'est faux. Parce que je veux dire, la face de là, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est un pays qui crase déjà. Pas aucune institution. Correct. Le monde qui dit que pas de mécanisme pour remplacer Ariel Henry, c'est tout simplement les gens qui croient que pas de monde dans le pays. C'est un consensus qui vous gagne là rapide là. Normal. C'est un tête qui vous gagne entre le secteur organisé et le secteur organisé. Ok, de la politique, de la classe politique, le secteur privé, le secteur privé des affaires, la société civile. Et en tout ça, les Haïtiens, il faut qu'ils jouent le plus vite possible. Okay. Parce que là, il est clair, docteur Henry échoué, il n'y a pas de moyens là. Ouais, le coup d'ici. Moi, c'est que soit annonce que le défense a pris une décision pour dire qu'il ne va pas monter Gaza. Mais il y a un conseil de ministre côté qui est officialisé. Donc, il démarche là. Vous voyez que les classes sont gaz à monter, et bien pas bon mentir. Là, écoutez, classement est un lit appauvri. Un petit exercice rapidement, les Haïtiens. Dans la grille salariale dans l'État, il commence à partir de 10 000 gouttes, ou bien 7 000 500 gouttes, ok, vous montez. Donc, nous avons une catégorie de gens qui presque pas petit encore. Ok, vous montez dans 15 000 gouttes, dans 20 000 gouttes, dans 30 000 gouttes, dans 40 000 gouttes, dans 60 000 gouttes, en nous considérant barème 60 000 gouttes là. Un de monde qui a touché 60 000 gouttes, qui c'est un madame, un papa, un qui a deux petits mouns,
et puis qui ont machine, qui a mon ça va le faire. Donc est-ce que son appauvrissement total de la classe moyenne, c'est ça qui va faire ça. Et si nous on tient en route ça, donc c'est, écoutez, donc Haïti nous que c'est pour retirer Haïti, parce que pas aucun bien pour nous vivre là. Avec situation, parce que depuis Gaza monte là, bah bon menti, tout produit va monter, et puis va oublier les dollars américains. Donc il va monter tout parce que monsieur importateur qui a importé gaz, ok, qui a besoin de remplir l'argent américain pour pouvoir commander parce que là ce sera la concurrence. Parce que c'est qui a commandé plus de gaz qui va faire plus de mob. Correct. Il va besoin de plus d'argent américain pour capable de dire donc assez gaz. C'est-à-dire que pour problème là très complexe. Et je parle avec le gouvernement et matin. Je dis, monsieur, je ne vais pas nous mentir. C'est pas question de gaz qui a pris de là. Gaz là, c'est un mal en plus qui vient ajouter sur la situation des Haïtiens. Et que je n'ai pas aucune solution miracle que le docteur Henri est capable de venir avec lui. Parce que nous avons depuis un an, pas de rien que le fait. Et je dis, il n'y a pas aucun gars qui est capable de faire l'élection. Et je le dis, c'est vraiment. Maintenant, parce que le peuple haïtien, c'est pour camper sous position, on nous peut s'ouvrir. On nous camper sous position, on nous peut s'ouvrir. Et puis vous êtes capable de libérer le pays donc des spas de situation que nous avons là. Alors, et éclaircis pour le peuple là, qui s'est campé sous position, Louko? Qui s'est campé sous position, vous dit? Je vais me garder la gamme. Mais c'est position peuple là, il fait que je vais me garder la gamme. Qui fait que je vais me garder la radio. Même pas un problème pour me souffler côté mien, que le peuple a campé sous position. Ok? Parce que écoutez, je dis, écoutez. Non, Lucas, c'est ça. C'est une population campée sous position. Ok, campée sous position, parce que ça, c'est nous-mêmes qui pouvons décider. C'est nous-mêmes qui pouvons décider avec tête par nous, pour pouvons libérer. Ok? Et le problème, ça, il est très complexe. Nous ne pouvons pas quitter. Nous ne pouvons pas quitter dans mon monde irresponsable. Ok? Je dis à l'auteur, Ariel, il va aller dans la société, ça va faire. Je dis à l'auteur, pour ne pas camper, pour ne pas aller aucun côté de mon cas passer par les portes. Faut le faire sous ça, oui. Faut le faire sous ça. Ok? Faut pas mettre la campagne sous position pour pas aucun côté de monde qui a passé pour pas aller dans le créateur. Parce que depuis les Nations Unies, par question d'Aïk va faire avec l'ONU, il n'y a pas un paquet de points sur Haïti. Tout le rapport sur Haïti, il n'y a pas un paquet de ok? Pour faire comprendre que tout va bien, et ce n'est pas vrai. Tout ne va bien. Donc il y a un problème sérieux dans le pays, et c'est pas pareil, c'est que vous campez sous position. Et puis les élites de ce pays, la classe politique, ok, la classe économique, pour en mettre ensemble, rapide, la presse, parce que je dis, dans le pays, il y a deux institutions qui ont été campées, c'est la presse. Correct. Ok, pas de la justice, ok, pas de coup de cassation. Elle dit, nous, pas de Sénat. Elle dit, c'est seule la presse qui était comme institution, que pour ça, prendre responsabilité. Ça fait que moi, c'est comme citoyen pays, de prendre en pile pour intervention dans l'émission de débat. Et ça nous clé sous lui. Le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Jean-Marie là, il n'a pas qu'à continuer comme ça. Il n'a pas qu'à continuer à bailler Dr. Ariel Henry espace. Ok? Pour empirer la situation là, par rapport à mon pays. Donc je dis que le peuple a quand même cette décision, camper sous position nous. Camper sous position nous. N'a pas souffrir, n'a fait dernier sacrifice là pour nous retirer. Le pays n'a là. Dernier sacrifice là. Non, n'a pas dernier sacrifice. Mais tout le monde capteur de radio éclair là, m'arrête de dire nous, n'a pas dernier sacrifice. Parce que ça nous va continuer. De côté là, nous ne pouvons pas rendre l'eau pour bien, non? Tenez mon frère, mon frère, fais-moi ici à dégager, mon frère. T'es ça. Fais-moi dégager. Ok? Et le jour, nous capteurs entendre pour un jour, nous capteurs tout le temps pour nous ravitailler, qui va plus que une journée. Ok? Mais je dis à la que fais-moi ici un campé. Sous décision, ok? On fait un sacrifice okay, pour nous sortir de tout ça. Parce que ça qui est là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour le pays. Même nous dans le gouvernement, écoutez, là, je sais ça. Même les ministres dans le gouvernement pas confortable, non? Même nous dans le gouvernement plein. Oui, oui. Okay? Oui. Donc, qui est là? Pour ça, la fête de tout ça. Que papa ici pour une décision, qu'on campe sous décision, campe sous position, n'a pas le dernier sacrifice. Et bien, c'est l'idée de ça, oui? Pendant que nous continuons, pendant que le secteur économique, là, les élites de ce pays, puis on continue à parler, dialoguer rapide pour nous faire une solution. Alors, les politiques, pas toujours une mésentente entre la classe politique, entre les différents groupes politiques, et c'est le problème, non? Donc, docteur, il y a un peu de tout ça. Écoutez, que vous pensez à la responsabilité de ce dialogue,
que vous pensez à la responsabilité. Et peuple qu'on est tout cap de magoule, tout qui sont des coquins. Peuple qu'on est tout. Et peuple haïtien, c'est pour le camp de supposition, nous-mêmes avons fait des sacrifices là. Pendant que vous-même vous dégagez, que vous jouez en tête entre eux, nous n'avons pas besoin de ni accord ni consensus. Nous besoin que vous en tête entre les différentes forces vives de ce pays, les élites de ce pays, pour nous dire, mais ça nous proposer comme alternative. C'est ça. Okay? Mais ça qui là, nous ne pouvons pas continuer là-dedans parce que l'inacceptable. Et écoutez, le problème, écoutez, moi je dis, hein, il va même dire un problème de question de sécurité. Parce que les gens qui gagnent, ils sont haïtiens pour. Je vais sortir de tête au ça. Correct. Les gens qui gagnent, ils vont sortir de tête au ça. Et puis, en foutre tout, ils vont ça. Monsieur Gagnon, c'est pas faire la kidnapping après le vraiment. Parce que pour un groupe qui a fait la kidnapping, monsieur Gagnon, ça fait cocaïne après le. Et là, il y a un campé dans ma saison. Il y a un bateau qui a soulevé, mais c'est cocaïne à ramasser. C'est monsieur qui a fait cocaïne dans le pays qui a alimenté avec ça. Elle dit que je dis à eux, mais ils souhaitent retirer tête au ça. Ils sont là. Et moi, c'est que le problème, il n'est pas seulement pour son problème d'insécurité encore, parce que ça nous garantit de nous souligner en tant que citoyens haïtiens. Ok? Nous garantissons de nous souligner en tant que citoyens haïtiens, avec bien entendu le support de la police nationale d'Haïti, avec le support de l'armée d'Haïti. Ok? Mais question que vous dites là, pour Dr. Henry, par les Nations Unies, avec le support dominicani, pour un moment d'intervention militaire, nous allons éviter ça. Nous allons éviter. Et depuis les Nations Unies, on va donner le paquet de chantage, et puis ça, il n'y a pas rien de changer. Donc, j'espère que l'élite pays, que nous, chacun, nous prenons responsabilité aujourd'hui, que tout le monde prenne responsabilité aujourd'hui, en nous entendant, en nous, pour nous jouer en tête le plus vite possible. Ok, mon gars dit que Ariel Henry pas un mécanisme pour changer là, ça c'est du Vivitia, papa nous menti. Ok, ça c'est Fab. Donc, on entende, au consensus, c'est lui seulement qui a mis une sortie là, et c'est lui pour nous, c'est là où tu as pour aller, et c'est pour nous faire le plus vite possible. Alors, maintenant, Michel, victime de ça, oui. Les victimes de sa déclaration, le fait, dernière déclaration, le fait, hein. Et à savoir que, monsieur, docteur Ariel Henry, a quitté le pouvoir seulement l'elle mourut, ou bien, ou l'autre président est élu, venir remplacer. Voilà, c'était Luc Nédésir, l'homme, le président, l'ancien candidat à la présidence. Eh bien, c'est lui-même qui t'a placé Mopal, je dis à la. Nous allons finir maintenant. My name is Rita Joseph. I was born in Haiti and raised by my grandparents who brought me to the Brooklyn community and taught me Creole. SendWave is going to have a huge impact on the Haitian American community here. With low fees, quick sending, and a secure process that allows your recipients to pick up money at any Morecash agent, it makes the remittance process easier and more affordable for everyone involved. I'm proud to use SendWave and can't wait to share the app with more of my friends and family in our Brooklyn community.